Y a même pas photo. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais il y a même pas photo. Non. Vous voyez la vérité, mais vous passez à côté. Votre momie là, il est joli que moi. Chieux! Même si elle ressemble pas à DiCaprio, lui, elle peut jamais être jolie que moi. Bref, faut pas y trop m'arrêter, c'est ça la même. Salut, salut famille, c'est comment? Voilà, c'est votre humble serviteur. Voici une vidéo encore qui fera mouche. Ça, je vous dis, parce que vous allez partager ça beaucoup, 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 beaucoup. Avant de continuer, il y a des gens qui disent que moi, Stéphane a eu, il fait pas vu. Partez voir mes chaînes. Partez, il dit, partez voir mes chaînes, excusez-moi. Partez voir toutes mes vidéos. Il y a près de 170 vidéos. Voilà. Il a commencé 10, 14 novembre 2017. Ça fait pas encore un an que moi, j'ai une chaîne YouTube. Moi, là. Quand on va arriver en décembre 2018, là, s'il n'est rien, il y a 20 000 ou 25 000 abonnés. Je vais à mon rythme. Il y a beaucoup de choses que je peux faire sur ma chaîne pour grimper mes abonnés. Voilà. Il est passé plus de 6 mois sans demander à quelqu'un de s'abonner à ma chaîne. Mais comme il se retrouvait en moi, il s'abonnait volontairement. Voilà, ça c'est un. Quand moi j'ai fait vue, j'ai fait ça bien. C'est les 100 000 vues. C'est les 80 000 vues. C'est les 250 000 vues. Je stagne pas à 30, 40 000 vues, 30, 40 000 vues, 10 000, 15 000 vues. Non. Je ne suis pas venu sur YouTube pour chercher vues. Je suis désolé. Voilà. Si on veut regarder dans le bon là, et nous tous on fait vidéo, je ne parle pas des chaînes people. Hein. Voilà. Il y a des gens qu'on chaîne il y a longtemps. C'est maintenant les doigts où ça saute. Chose a commencé. Oh, moi, là, Dieu m'a fait la grâce. Ça a commencé en même temps qu'il a commencé. J'ai la chaîne la plus performante. Pas de voir le nombre de vues. J'ai la chaîne la plus productive. Vous voyez que j'ai travaillé. Vous voyez que je suis occupé. Bref, ça c'était une parenthèse. À toute la Chine, c'est ce que votre idiot de ministre l'a dit, non? Vous aussi. Ne cherchez pas à réfléchir. Hein. Suivez ce cabri-là, ce mouton-là, cet idiot-là, suivez-le. Vous allez mettre votre Didier Arafat-là dans problème. Et comme c'est quelqu'un qui est trop plein d'orgueil, il n'est pas plein d'humilité, il vous encourage, il vous fait croire que tout va bien. Oh, c'est gâté. Pour information, je vais vous dire que son mandat d'arrêt-là, c'est un mandat d'arrêt à effet immédiat. C'est parce qu'il est là-bas. Et puis, on n'a même pas envie d'envoyer, on va dire, Interpol ou bien des gens pour aller le chercher, pour le mettre au tout. Parce que c'est quand même une star de la Côte d'Ivoire. Donc, il le laisse venir d'abord. Donc, nous qui avons fait des vidéos de soutien pour demander pardon, pour que quelques membres ou même les autorités, même qu'on donne ce verdict-là, voient pour dire que ah, le mec, il est vraiment aimé ou bien il apporte vraiment beaucoup la musique ivoirienne. Pour qu'il change son verdict. Et puis vous, pas vous tous, hein, mais les plus bêtes des fans de Didier Arafat, là, encourage la bêtise, là. Continuez. Ça va vous détonner. Ils vont le prendre, ils vont le mettre en prison, puis vous ne pourrez rien faire. On n'est pas dans le club des petits. Mettez ça dans votre youpli, dans votre mgololo, là. Vous pensez que Didier Arafat, la Côte d'Ivoire, c'est son village, où il va venir chier, faire ce qu'il veut, et puis ça ne va pas quelque part. Ceux qui y connaissent, ceux qui y comptent là, tout le monde les connaît aussi. Voilà. Donc réfléchissez un peu. S'il y a quelqu'un qui fait que votre Didier Arafat va en prison, c'est pas nous, c'est pas quelqu'un d'autre. Ne mentez pas sur les chaînes. C'est votre ministre idiot là qui s'adresse aux autorités comme si je s'adressais à ses enfants ou bien à ses n'importe quoi de la Kile Gang là. C'est pas ça. Moi, j'ai dit que je ne voulais pas que Didier Arafat parte en prison. Et mon sentiment reste toujours le même. Mais si votre Didier Arafat là, se retrouve au violon, c'est votre ministre bête là. Ayez le courage de le suivre. Ne le suivez pas comme des moutons. Voilà. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Avant d'ouvrir votre bouche là, réfléchissez. Moi, j'ai fini. Voilà.